Yo, c'est Superban et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais pas parler trop fort parce que c'est le soir, mais je vais monter le son sur Vegas et normalement vous entendrez bien. Donc c'est un tuto comme on m'a beaucoup demandé. C'est sur comment télécharger proprement Code Online, donc le Call of Chinois qu'on n'est pas censé avoir en Europe, enfin dans le reste du monde même. Donc c'est parti, donc je vais essayer de vous expliquer comment l'avoir proprement sans avoir toutes ces cochonneries chinoises qui s'installent quand on le prend. Bon, elles sont faciles à enlever, hein, mais enfin bref, je vais vous montrer comment faire ça. Donc tout d'abord, il faudrait vous rejoindre donc sur une boîte mail, c'est égal. Donc moi j'ai créé une adresse mail au bol juste pour ça, juste pour le jeu, donc vous pouvez m'envoyer des mails si ça vous amuse, mais voilà, inkxbanana@gmail.com. Donc voilà. Ensuite, donc la première chose, c'est de se rendre sur le premier lien de la description et de cliquer sur email account. Voilà, tout sera en description, donc je le redis. Donc email account, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro de téléphone. Donc email account, ça c'est mon deuxième adresse mail, mais ça on s'en fout. Donc vous écrivez votre adresse mail créée auparavant, donc inkxbanana@gmail.com. Voilà. Ensuite votre pseudo, là c'est égal, ça sera pas le pseudo in game. Donc inkbanana, voilà, c'est égal, tout ça, ce sera pas dans le jeu. Donc le mot de passe, donc je vais mettre mon mot de passe, voilà, je mets tout le temps le même. Voilà, c'est réglé. Le mâle, ok, on est un mâle, enfin je crois. Mettez bien que vous avez une date de naissance au bol, donc si vous avez plus de 18 ans, bah mettez ce que vous avez. Moi je vais mettre ma vraie, comme j'ai 18 ans. Donc faut vraiment que vous ayez plus de 18 ans, sinon ça va bloquer, vous pourrez pas y jouer. Donc au pire, mettez une date, c'est égal, descendez jusqu'en... Voilà, vous avez vu, les Chinois ils peuvent être vieux. Hein. Bref, sinon ça vous l'essayez, China, Beijing et Dongcheng. Ensuite vous mettez le petit truc ici, LCFY. Vous mettez ça, j'ai accepté machin, et sign up now. Ensuite voilà, tout ça qui serait réglé, donc enregistrer ça vous, enfin bref, vous en foutez, vous avez peut-être pas la même chose. Donc maintenant, login in email, voilà, maintenant vous regardez si vous avez reçu quelque chose sur votre mail. Voilà, j'ai reçu un petit mail sur mon mail à moi. Donc voilà, ils disent que cet email là, machin, si c'était moi, voilà. Enfin bref, cliquez sur ce lien, donc vous cliquez dessus, ça je peux fermer. Et ça c'est ma boîte de réception, on peut fermer. Donc voilà, là il vous donne ceci, donc ceci là. Ça c'est hyper important, donc vous le copiez, donc CTRL-C ou CTRL-C, c'est égal. Voilà, ensuite vous allez sur votre truc et je vous conseille de faire un document texte, donc nouveau document texte, voilà. Et voilà, vous mettez QQ par exemple ou bien code online, c'est égal. Voilà, code online, pardon. Voilà, hop, et vous collez votre QQ number et vous faites égal, voilà, QQ number. Comme ça, vous l'avez toujours, parce que c'est ce qui vous permettra de vous connecter à chaque fois que vous démarrez le jeu, de vous connecter. Donc essayez vraiment de ne pas le perdre. Donc voilà, ensuite vous faites fermer, enregistrer, et voilà, vous avez votre code. Si vous êtes trop mauvais, ou voilà, enfin bref, vous pouvez aussi entrer votre mot de passe que vous avez mis avant, comme ça vous ne le perdez pas. Enfin bref, je mets toujours le même, donc c'est bon. Donc une fois ceci fait, vous allez sur le deuxième lien que je vous ai mis dans la description. Donc vous pouvez traduire si vous voulez, là, avec Google Chrome, je ne sais pas si on peut sur les autres... navigateur, mais alors voilà, vous cliquez sur ce bouton bleu et là vous mettez votre QQ number que vous avez copié avant, CTRL V, et vous mettez votre mot de passe d'avant, donc nan, voilà, et là vous mettez le petit truc de en bas, HATH, et normalement vous pouvez vous connecter si tout fonctionne. Voilà, nickel. Ensuite vous attendez, ça charge un peu, boum 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 boum. Voilà, là il vous demande plein de trucs. Vous pouvez l'enregistrer toujours si jamais ça vous amuse. Enfin bref, je sais pas trop. Moi perso j'ai enregistré, mais on s'en fout. Voilà, ensuite traduire cette page si vous voulez, vous la traduisez. Sinon vous la traduisez pas. Sinon vous faites la même chose. Donc le nom, votre vrai nom ou votre mauvais nom, on s'en fout, ça sera pas dans le jeu. C'est juste comme ça pour le site. Donc vous appelez pas. Là on va mettre banana. Ensuite le numéro d'identification. Voilà, là c'est là où ça commence. Vous cliquez sur le troisième lien de la description. Voilà, vous tomberez sur ce site assez bizarre. Vous laissez toute base et vous cliquez sur ça. Vous attendez, voilà. Là vous avez des identifiants de chinois. Enfin bref, vous volez pas d'identité, hein, c'est tout du virtuel. Donc vous prenez un code au bol. Voilà, moi je prends celui-là, boum. Et je retourne sur ça. Je mets le numéro d'identification. Et là vous laissez, ça va changer un truc automatiquement. Vous le laissez. Vous mettez déterminé ou le bouton de gauche. Votre numéro, là vous faites déterminer, je sais pas pourquoi ça a pas cliqué. Voilà, normalement ça vous dira que c'est ok.
traitement, s'il vous plaît, patientez. Voilà, votre nom a été enregistré. Boum. Ensuite, peut-être si ça vous met une erreur, ben vous changez, vous cliquez sur générer et vous prenez un autre. Ou, voilà, vous n'êtes pas stupide, vous trouvez bien. Oh, dis donc, il y avait des sacrées choses, petite chinoise là. Pardon. Bref, ceci fait, vous pouvez quitter ça donc. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer quelque chose spécialement. Voilà. Secondo, ça c'est fait. Ça c'est fait. Votre QQ a été validé. Vous pouvez fermer tout ça. Ensuite, vous cliquez sur le troisième lien de la description. Voilà, vous êtes censé arriver sur cette page. Donc, il y a des travaux chez moi. Je pense que vous entendrez peut-être des marteaux, etc. Je vais essayer de faire ça un peu correctement. Donc, vous tomberez sur cette page. Donc, il y a plein de trucs. Si vous avez un ordi pas très puissant, ok, boum, vous prendrez celui-là, d'accord. Et si vous avez un ordi beaucoup plus puissant, c'est-à-dire enfin normal, vous regardez là en bas. Vous regarderez vous quand vous serez sur le site. Donc, c'est le troisième lien. Et ben, vous cliquez sur celui-là. Moi, perso, je prends celui-là et la majorité des gens prennent celui-là. C'est vraiment si vous avez une très mauvaise connexion, un très mauvais ordinateur, vous prenez celui-là. Mais perso, je conseille de prendre celui-là. Là. Voilà. Je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà. Mais une fois que vous l'aurez, et ben, vous avez juste à cliquer sur suivant, ça va se télécharger. Après, il y a un installateur qui va se lancer. Vous cliquez suivant, 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 suivant. Et voilà, ça va s'installer, vous appuyez ben, toujours sur le bouton hein, qui est en bleu, enfin entouré en bleu, enfin voilà, comme tous les installateurs Windows, vous avez déjà installé quelque chose sur votre ordinateur, je suppose. Donc voilà, c'est vraiment tout con, vous appuyez sur suivant et ça va s'installer. Et une fois que ça s'installe, voilà ce que ça va donner. Attendez, on se retrouve pour la suite. Ok, une fois que vous aurez téléchargé votre code online, il se retrouvera donc exactement à ce moment-là. Donc il se passera ça sur votre écran. Donc vous aurez juste appuyé sur le petit bouton du milieu. Voilà, là je suis dans la vidéo parce que j'ai déjà installé. Donc j'ai repris la vidéo de quand je l'ai installé moi. Donc voilà, vous appuyez sur suivant, 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 suivant. Voilà, ça va ça. Et là moi j'aurai une erreur normalement. Si je dis pas de bêtises, j'aurai une erreur. Car je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc au moment où je l'ai installé. Enfin, je l'avais déjà, ça datait d'avant, de quand je l'avais. Donc si vous l'avez déjà d'avant, ben, ça va merder. Donc logiquement, ça ne prend pas que vous l'installez si vous regardez ce tuto. Mais moi, ça va planter, donc voilà, il va planter. Mais voilà, je l'avais, c'est juste que je l'avais déjà auparavant. Mais vous, ça, la barre va continuer. J'étais en train de montrer sur votre écran. Mais la barre va continuer, donc on va quitter ça, voilà. Moi, j'ai une erreur, enfin bref, pour vous, ça ne s'intéresse pas. Mais bref, la barre va continuer et vous aurez tout qui est ok, donc ça dirait que c'est ok et vous aurez un fichier. Donc je vais retrouver la vidéo que j'avais du moment de... Pardon, excusez-moi. Voilà, une fois que vous avez installé votre jeu, quand la barre sera complète, vous allez dans votre destinateur, vous avez mis votre fichier. Moi je sais plus exactement où je l'avais mis à l'époque, je crois que c'était sous C. Voilà, je l'avais mis sous C. Programme et puis il était tout en bas je crois sauf erreur. Voilà, code online, code boum boum. Il faudrait que renommer, des fois il y a des trucs qui se mettent chinois en haut à gauche, mais vous changez. Donc voilà, vous pouvez créer un raccourci, vous le renommez juste et voilà, vous renommez, vous changez un peu pour pas qu'il y ait de chinois dans les dossiers et vous lancez votre codo MP client raccourci. Si vous utilisez Windows 8, vous aurez certainement une petite erreur. Donc, allez sous. Je vais vous montrer. Attendez, je vais quitter ça, ce que je faisais. Si vous avez Windows 8, vous faites ce que moi j'ai fait. Vous allez sous Programme, sur le lanceur donc que j'avais avant, sur quoi j'ai cliqué pour lancer Codo, MP, machin. Vous faites Propriété, Compatibilité. Et là, vous faites Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows 7. Et vous faites OK. Et vous le lancez. Car sur Windows 8, je sais pas pourquoi ça plante, mais enfin bref. Voilà, vous faites juste ça. Donc attendez, je vais relancer. Et voilà, une fois que vous avez lancé votre codo machin, il y aura une mise à jour qui se télécharge si on a une. Sinon, vous entrez votre QQ number en haut. Et juste en dessous, vous mettez votre mot de passe. Donc c'est utile le document texte que j'ai fait, que vous avez fait avant, que je vous ai expliqué. Donc voilà, vous entrez ça. Moi, je rentre mon mot de passe enregistré. Je lance, voilà. Ici, si vous connectez au moment où vous arriverez, là vous avez, attendez, juste expliquer les serveurs avant. Vous prenez celui de droite ou celui d'en haut, mais pas les deux du bas, bas ou gauche, parce que c'est où vous avez les meilleures connexions, donc à droite ou en haut. Perso, j'ai utilisé celui à droite. Voilà, vous lancez ça, voilà, et à ce moment-là, normalement, quand vous arriverez dans le jeu, vous aurez, comment ça s'appelle, un petit, je sais pas comment expliquer ça, une sorte de boîte, une boîte de dialogue qui vous dira de mettre un pseudo. Donc vous rentrez votre pseudo qui là sera le pseudo in-game.
Donc c'est voilà, il faut que vous mettiez votre pseudo in-game. Donc moi j'ai mis INK tiré du bas banana. Voilà, vous tomberez dans une mission du solo que vous pouvez quitter et ainsi de suite. Et puis ben, après je vous laisse regarder par exemple la vidéo de Sky Rose qui sera aussi en description des menus. Là il y aura tout qui sera bon. Donc vous pouvez jouer tranquillement. Je vous laisse découvrir ça avec sa vidéo. Moi perso j'ai tout dit, donc je vais quitter ma vidéo de quand j'avais enregistré lors de l'installation. J'ai tout dit, j'espère que ce tuto vous a aidé. J'ai un peu galéré parce que je l'avais déjà installé et puis ça crée pas mal de problèmes si vous l'aviez déjà installé auparavant et que vous le réinstallez. Finalement, je m'en suis sorti. Voilà, écoutez, rien de bien spécial. J'espère que ça vous a aidé. J'ai eu de la peine parce que je suis un peu en déménagement donc j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo vraiment comme exactement je voulais. Mais je l'ai refaite, enfin bref, voilà. J'espère que ça vous a aidé et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Je suis pas le pro, hein, mais je sais juste que voilà, je sais comment le faire, donc n'hésitez pas. Sur ce, bye, peace les gens.